hear a man is made. I'm talking about my hero, Jesus Christ. It is not my hero, Mulava na ineta monsha. Ajo my hero, Balisyon sefyo monshitila. Mulava na ineta monsha. Moma choshe na monsansa. Na mano niwe mompela. Ngarin wala mulamposha. Eh bien, chers amis internautes, vous tous qui nous suivez à Bukavu, ici c'est votre humble serviteur Olivier Katoto. Olivier Katoto pour vous présenter mon blog, le blog vidéo de Olivier Katoto. Nous sommes au mois d'août 2010. Nous avons personnellement plus de raisons. Nous avons peut-être plus de 1000 raisons de laisser tomber la situation de notre pays s'empirer. Nous avons plus de 1000 raisons de laisser tomber la communauté congolaise et de continuer notre vie individuellement comme on le veut. Mais on ne veut pas le faire parce que nous avons une seule raison et cette raison est plus que tout. Le sang est congolais, qu'on le veuille ou pas. C'est donc là la raison première pour laquelle on ne peut pas délaisser, on ne peut pas laisser tomber notre pays. Bien sûr, je suis là pour vous parler, chers amis congolais et tout le monde qui va nous suivre, des élections 2011. Élections 2011, bien sûr, le calendrier est sorti. Et là, j'ai sur moi peut-être le flash de ces calendriers qui est tout simplement du 27 octobre au 25 novembre 2011. Donc du 27 octobre au 25 novembre 2011, déjà la campagne électorale pour le premier tour des élections présidentielles et des élections législatives chez nous au Congo. Bien sûr, beaucoup de gens vont se demander, mais comment ça fait un mois? Ça va faire un mois pour faire cette campagne ou la publicité, comme on l'aime l'appeler ici chez nous, les gens des sites internet. Eh bien, ce n'est pas là le grand problème. Ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la situation qui est celle de la séparation du premier tour au deuxième tour. La séparation du premier tour au deuxième tour qui est tout simplement de 3 mois parce que le 27 novembre 2011 sera le premier tour des élections présidentielles chez nous au Congo, en République démocratique du Congo. Donc, le 27 novembre 2011, le premier tour des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Et c'est le premier tour qui sépare le deuxième tour de 3 mois. Et c'est là qui va amener donc le président sortant ou M. Kabila à rester 3 mois de plus ou alors 2 mois parce que quand même il faut y avoir un temps pour sauter du premier tour au deuxième tour. Et c'est là donc le 3 mois, ça gêne beaucoup de gens, mais pour moi je ne sais pas combien de différence cela pourra donner parce que le président Kabila est là depuis 2000. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Je ne vois pas pourquoi et en quoi 3 mois pourraient faire couler beaucoup d'encre. Parce que si vous préparez quelqu'un pour vous présenter, pour vous représenter aux élections 2011, vous on peut aussi peur. Participer de sa façon. Et pour moi, la bonne façon pour tous les démocrates congolais, c'est de présenter vos candidats. C'est ça la solution à ces problèmes. Présentez vos candidats, supportez vos candidats, écoutez vos candidats, faites passer le message de vos candidats au lieu d'attaquer celui qui est là. Attaquer, c'est ça le problème que nous avons, nous les Congolais, attaquer les autres. Au lieu de se présenter, au lieu de présenter quelqu'un, on se met à attaquer celui qui est là. Bien sûr, si vous le faites, au moment où vous serez en train de vous chamailler, au moment où vous serez en train de faire beaucoup de bruit, bien sûr, il pourra passer et vous resterez en train de crier. Et comprenez que beaucoup de ceux qui crient sont à l'étranger, donc ça ne fait pas beaucoup de différence au Congo. Ne soyez pas ignorants dans ces cas. Ça pourra se passer. Donc si le président Kabila passe, à qui la faute? Vous ne présentez personne, vous ne vous présentez même pas. Donc ça peut créer toujours des problèmes si on reste à combattre celui qu'on ne veut même pas combattre dans la démocratie. Combattre dans la démocratie, comme je l'ai dit, c'est avancer votre candidat. Qui est votre candidat? Mon candidat serait Moïse Katumbi. Mais on connaît déjà que Moïse Katumbi ne pourra pas se présenter aux élections prochaines. Ça devient aussi un autre problème. Donc, comme
Moïse Katumbi ne se présente pas. Cela, qu'en est-il donc de Vital Kamerhe? Je n'en peux rien, je ne peux même rien dire parce que Vital Kamerhe aussi est dans le vide. On ne l'entend même pas dire ce qu'il veut, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. Donc, ça reste à nous, Congolais, de décider. Donc, je suis là, c'est votre humble serviteur Olivier Katoto. C'est mon blog vidéo que je fais tout le mois, une fois le mois. Et là, on est au mois d'août 2010. Je me remercie beaucoup et on se revoit à la prochaine. Bye. I'm not talking about the hero man is made. I'm talking about my hero, Jesus Christ. It is not. Oh, you're my hero. Mulala na inetamonsha. Oh,